Allez, les 8 demoiselles de cette finale se sont élancées sur la piste de Biprol. Et celle qui est le mieux partie pour l'instant, c'est le numéro 88, Lucie Boyer, pilote des Pays Mirabeau. C'est elle qui a pris le meilleur départ, mais c'est sans compter sur le super retour et la belle accélération. Et bien de la demoiselle de Sainte-Victoire, Laurie Varginiac, que l'on retrouve maintenant à la tête des opérations. Pas de changement à la deuxième position, donc toujours et encore. Lucie Boyer, des Pays Mirabeau, la troisième position. On va retrouver Laurie City sous les couleurs Génération Cycle pour le club de Cornillon. Et la quatrième position pour le club de Nîmes avec Anaïs Linard. Pas de changement en tête. Pas de changement en tête avec Laurie Varginiac de Sainte-Victoire qui devrait s'imposer. Et peut-être le retour, attention dans les derniers mètres. Le retour du 88 dans les derniers mètres. Lucie Boyer des Pays Mirabeau qui terminera deuxième.